Les Rolling Stones reportent leur tournée aux États-Unis et au Canada en raison de l'état de santé de Mick Jagger, qui s'est dit anéanti. Malheureusement, aujourd'hui, les Rolling Stones ont dû annoncer le report de leur prochaine date de tournée aux États-Unis et au Canada, a annoncé le célèbre groupe de rock britannique sur Twitter. Les médecins ont dit à Mick qu'il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment, car il a besoin d'un traitement médical. Le groupe n'a pas précisé de quoi souffrait la rockstar de 75 ans, mais celle-ci s'est dite anéantie d'avoir à repousser la tournée. Mais je travaillerai très dur pour être de retour sur scène dès que je peux, a-t-elle encore assuré dans un message posté sur Twitter. Je suis terriblement désolée pour tous nos fans en Amérique et au Canada qui ont des tickets. Je déteste vraiment l'idée de vous laisser tomber de cette façon, a ajouté le chanteur connu pour ses déhanchements frénétiques. No Filter Tour, une tournée de 17 dates. Les Rolling Stones devaient commencer leur tournée de 17 dates baptisée No Filter Tour au stade Hard Rock de Miami, Floride, le 20 avril et l'achever au Burles Creek Event Ground de l'Ontario au Canada le 29 juin. Créé en 1962, le groupe a accédé à la gloire 3 ans plus tard avec l'album Satisfaction. Leurs tubes et leurs vies d'excès ont forgé leur image de mauvais garçon du rock anglais, aux antipodes des Beatles arborant cravate et bonne manière. Mick Jagger a 8 enfants, 5 petits-enfants et une arrière-petite-fille.